Est-ce que vous êtes même au courant de la situation de notre musique au pays? Lingana, 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 le lion du sud, la super nouvelle américaine. What's up, my nigga? Yo man. Je suis le number one des réseaux sociaux, va sans toucher. C'est ça aussi à défier Fally et Poupa. Est-ce que vous êtes même au courant de la situation de notre musique au pays? Est-ce que Gourou Michel, Gourou de la Côte d'Ivoire, Papa Gourou là, est-ce qu'il est même au courant de tout le désordre qu'il a créé dans notre musique actuellement? Hein? Vous vous rappelez de son conseil qu'il avait fait avec certains de ces gars-là, où ils avaient des gros pantalons habillés comme les Américains et parlaient que l'anglais? C'est comme ça que ça a commencé. On était déjà tranquille au 237. Papa Nyangon du sud qu'on connaît déjà. Il vendait, il était déjà calme, il vendait ses assiettes. Dès qu'il est tombé sur la vidéo là, tac, le gars est devenu l'île Gono. On ne l'appelle plus Nyangono. Il est devenu l'île Gono. Jusqu'on se retrouve aujourd'hui avec des artistes et musiciens sur les plateaux de télévision avec des casseroles d'argent. Mon frère, il chante où c'est tout dans le ventre. Tout, il faut. On ne comprend rien. Gourou, il faut venir éteindre le feu que tu as allumé. Maintenant, il n'est même plus Camerounais. Il est maintenant Américain. Il parle maintenant que l'anglais. Vous dites que son niveau maintenant, c'est Lil Wayne ou c'est qui? On entend l'autre là-bas de l'autre côté. Il ne s'appelle plus Grand Barack. Il est devenu Lil Barack. Jusqu'à il dit seulement que son niveau maintenant, c'est Fally et Poupa seulement. Mais je demande que, où sont passés même nos artistes? Non, mon frère, voici, il y a bientôt un an. La fête décembre approche déjà. Les gars, il n'y a pas de nouveauté. Les ténors sont passés où? Les Mr. Léo. Mais tous ces grands artistes, vous êtes passés où, les gars? On ne vous entend pas. Mais on entend seulement les Lil Barack. Les Lil Ngono. Assez, hein? C'est comment? Vous-même, vous allez entendre l'anglais de Lil Ngono sur le plateau. Le gars parle maintenant que l'anglais. En tout cas, écoutez un extrait de ce qui s'est passé sur le plateau de Njambo, de M. Chop Chop là. Écoutez bien l'extrait de sa vidéo. Je dirais que la musique, non, c'est devenu le LLL. Moi-même, je ne comprends plus rien. Grand Barra, lui, sort de l'autre côté. Où il dit quoi? En tout cas, vous-même, vous allez écouter. Écoutez les deux extraits. Je vous prends après. Lingana, 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 le lion du sud, la super nouvelle américaine. What's up, my nigga? Yo man. On dit pas ça là. Yo, my nigga. Lingana, everything is okay. You happy to be there? Now I have very, very problem to speak in French. Yeah. I'm American. Yes. Now I speak only in English now. Yeah. And welcome on Jumbo today. Jumbo. Thank you. But you decide to change your name and become now Lingono. What happened? I want to salute all my fine in Douala. Yes, thank you. I thank Mr. Chop Chop. Yes, to permit me to come in to show all my book. Yes. All my this. Yes, you are new. To show your new name. Yeah, yeah, shake. And this, my name is Lingono. Lingono. Yes, and thank you very much, Mr. Chop Chop. You're welcome. You're welcome. You're welcome. So, ask the question. So, Lingono, you came with a new song. What is this pot doing here? This pot. This mamit. Okay. This mamit, they do waiting for you. This mamit, the first one. This mamit, yeah. Yes. We have many things inside. Okay. Yeah. I'm going to open. Yes. Mm-hmm. You want me to help you? Let's see the surprise inside. Hey! Zoom, please. Zoom ici, pardon. Zoom. C'est une mamit d'argent que Nyangon a apporté. Il a la mamit ici, là. Ouais. J'ai gardé cette mamit pour mon challenge TikTok. Oui. Ok. Et les DJ. Ok. Celui qui va gagner le challenge, il va recevoir la mamite. Pas toute la mamite. Ça, c'est pour mon challenge TikTok. Yangolo, est-ce qu'on peut quand même vérifier l'authenticité des vieux? Je peux vérifier. Non, les vieux sont des vieux pour. Tu peux donner, tu sais comment monsieur la femme, donne d'abord à la femme. On donne d'abord l'argent à la femme. Ajoute encore les 5000. On donne aussi pour monsieur TikTok. Non, on vérifie. Apparemment, c'est un bon. Ajoute un peu 5000, je vérifie aussi les vieux de 5000. Okay. Vérifie, tu mets des demandes dans ta poche. D'accord. Ah, mais maintenant. La mamie d'argent. La mamie d'argent. De ça. Voilà. Tu vérifies, tu mets dans ta poche. Voilà. Je vérifie pour le bien si. Non, le bien si. Non, laisse d'abord. Tu as déjà l'autre. Apparemment, il y a un t'as vu. On a joué aussi au type pour monsieur. Voilà, on vérifie. Apparemment, les caméras vont bien présenter cette émission. Mais les caméras vont bien présenter l'émission, c'est à notre place. Donc, ça veut dire le challenge
TikTok. DJ TikTok de Nyangono, le DJ qui gagne le challenge, je porte la mamie d'argent, mais pas tout. Pas tout. Et voilà, ça part dedans. Nyangono, attends, je vérifie, je donne le verdict. Canel. Ok, je vois inscrit. Non, c'est un bon gars. Président, donnez-moi un peu vos biais, vous savez que c'est votre secrétaire. Ministère des Finances. Ministère des Finances de la République Djamboulaise. Voilà. Fais d'abord voir ton billet, brandis d'abord. Voilà. Alors, so, Lingono, yes. This song, il essaye de coller le long dessus. Il construit la maison, il va le moto, il walk your money. Now, you chop, now, you now, 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 j'ai déjà remédié, on s'est déjà réconcilié. Oui. Je suis déjà très donc tu travailles ton argent, tu manges une partie, tu donnes l'autre. Je travaille mon argent, je mange bien. Ouais. L'autre partie, je construis ma maison. L'autre, j'achète ma belle voiture. Et le reste, je donne aux femmes. Ah. Aux femmes, à moi. C'est ça. Voilà. Alors, Nyangono, sur quelle plateforme on peut, tes fans vont télécharger cette musique? Alors, j'ai dit que cette chanson est disponible en audio et en vidéo dans les WhatsApp. YouTube et les autres plateformes, c'est déjà disponible. C'est déjà là. Oui. D'accord. Alors, et en cas de spectacle, est-ce que le Lion du Sud va laisser la boutique pour aller faire des spectacles? Est-ce qu'un Américain peut encore tenir une boutique au Cameroun? Je suis un Américain, mon nom c'est Lingono. Oui. Okay. En cas de celui qui me veut pour les spectacles, il doit m'appeler au numéro 6 77 oui. 61 94 73. On va reprendre 6 77 61 61 94 94 73. Donc on connaît, pardon, saisis-le nous le numéro sur le bas de l'écran. Il doit parler l'anglais. Lingono, il faut parler en anglais. They talk we are action now, just now. That's say, you don't come to Cameroon, you don't go for États-Unis. Why you come on, you live in Cameroon, you go to États-Unis? Why? You know people in Cameroon, they love too much new things. Yes. Now I'm going to États-Unis. Le Cameroun, les États-Unis, c'est nouveau. C'est pas maintenant, c'est un nouveau élevé. Oh. Je vais dire un peu plus élevé. Parce que les Camerounais aiment trop les nouveautés. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis parti faire cette chanson qui est tendance ma piano, qui est tendance américaine. Et je suis mais ça fait un peu de la ma piano. J'ai laissé la ma piano dessus. Je danse un temps de rap. J'ai fait à la fois deux chansons. Mm-hmm. Une chanson à ma piano et une chanson rap. Est-ce qu'on aura droit à ton premier freestyle? Parce que tu sais, quand on est rappeur, on doit aussi faire des freestyles. Oui, c'est sûr. Tu vas faire le freestyle? Pas du sens aussi. Pour l'instant, on peut aller. Dans le ventre. Tout dans le ventre. On mange, on boit, après on part dormir au lac. Okay. Merci beaucoup, Nyangono. Mais tu sais, en tant que ministre des Finances. Ouais, Nyangono, tout à fait. Nyangono, en tant que ministre des Finances de la République Djamboulaise, tout ce qui concerne l'argent me concerne. Donc là, j'ai vu une grosse marmite et tu as dit que ça va revenir à tes challengers, c'est-à-dire les DJ et ceux qui vont faire le challenge TikTok. Comment procéder pour ce challenge TikTok? Ça va se passer comment le challenge? D'abord, comment même pour les DJ? D'abord, pour la semaine passée, j'avais mis un congélateur, une cuisinière, un frigo. La télé. Ça, les gagnants vont venir retirer le lot à Yaoundé dans ma boutique. Oui. Et maintenant, pour Chop Chop spécialement, il va prendre la mamie ici. La mamie qu'on va sortir l'argent dedans, il va prendre la mamie là. Oui. Pour donner à la mère. Voilà, donc je vais garder la mamie vide. Oui, on va lui donner la mamie vide. Je vais garder la mamie vide qu'on aura retiré l'argent. On va retirer l'argent, il va rester avec la mamie. Alors, ils vont donc comment faire le challenge. Ils vont faire le challenge et mettre dans le YouTube. C'est on va voir ce qu'ils vont mettre au maximum. C'est bien sur TikTok. La chanson est déjà sur TikTok. La chanson est déjà disponible sur WhatsApp et sur TikTok. Alors, les challengers gagnent combien? Ils vont gagner le premier de place. D'abord, le premier challenger peut gagner 200 000. 200 000 pour la première place. Ou bien un frigo. Wow. Ou une cuisinière. Ça wow. Dit, moi je préfère la mamie d'argent. On a déjà gardé sa mamie. Voilà, ça d'accord. C'est la mamie plein d'argent. Oui. Lingono, dorénavant, américain, ne peut faire des featuring qu'avec des américains, des Usher, Beyoncé et autres. Est-ce que Beyoncé t'a déjà contacté? Elle va te contacter. Ok, ça c'est sûr. Alors, on va redonner le deuxième numéro parce que le premier à l'antenne. 693 85 92 17 et le 677 61 94 73. Merci Lingono d'être venu ce dimanche. On va regarder le clip ensemble. C'est toi qui vas introduire en anglais le clip. Oui, en anglais, c'est à la tous nos téléspectateurs. Voilà, ladies and gentlemen. Faut, tu vas jouer les présentateurs. Pardon, revenez sur Lingono en gros plan. C'est lui-même qui a introduit le clip. My name is Nyangono. They call me le lion du sud, Lingono. Je vous présente. In English. Okay, thank you. Tu es américain quand même. Okay, my name is Lingono. Yes. I present you my new song, my new clip in TV. Yes. Oh! Anglais. Je suis le number one des réseaux sociaux, va sans toucher. Le grand Barack, de retour, avec Oda Roko. Ouais, j'envoie ce nouveau son à toutes les femmes du monde entier du Cameroun. Que de continuer à nous supporter parce que la vie est dure. Donc, si quelqu'un n'a pas de femme, il ne peut pas trouver une belle gérance entre lui seul. Donc, je cherche aussi à défier Fally et Poupa. On donne bientôt d'envoyer ce nouveau single d'ici le 1er juillet. Oui. Merci à bons entendeurs, salut.
Mon pied, ton pied, je m'éloignerai jamais de toi, Ton pied, mon pied, je m'éloignerai jamais de toi, Ton pied, mon pied, je m'éloignerai jamais de toi, En vrai, c'est pas facile demain. L'amour coûte plus cher que la vie. En vrai, merci. Bon, les gars. Vous avez écouté ce que les nos deux artistes de l'heure actuellement au pays ont dit, non? Voilà. Donc, nous-mêmes, honnêtement, là, on regarde, on observe. Sinon, du courage, les pâtés, du courage. Du courage.